Salut à tous, c'est Pêcheur de Trésors. Aujourd'hui, pêche à l'aimant au bord du canal du Midi, dans un coin qui a l'air pas mal parce que c'est à l'écart de la route. Donc il y a des chances que ce soit fréquenté par des criminels et qu'on trouve de belles choses. Aujourd'hui, on est accompagné de notre nouveau stagiaire Antoine. Ouais, j'ai besoin d'aide. Rasta, les affaires commencent. Tu vas tirer? On va tous tirer. Le stagiaire, il veut tirer. Le stagiaire. Stagiaire non payé, bien sûr, hein, non rémunéré. Un boule. Une barrière? Vraiment, j'ai du mal à savoir ce qu'est ce truc. Un panneau, non? Oui, c'est un énorme panneau. Ouais. C'est un panneau de panneau de national, ouais. Ah ouais. Ouais. Après, ils ont laissé ça. Il y a moyen d'avoir autre chose, ouais. Vas-y, ouais. Oh, une caisse. Une caisse. Alors, attends. On était à deux dessus. Elle est à qui, du coup, le contenu est... À celui-là. Ouais, celui-là. Ok, Antoine, c'est à toi. Je suis dessus en premier. Hein. Ouais, t'es dessus en premier. Bon, les gars, ouverture. Bon. Ça a l'air bien vide. Malheureusement. Ah, dommage. Parce que moi, ça va glisser. Faut un autre pied là. Faut un autre pied. Ouais, voilà. Et là, tu tires un coup sec, Baptiste. Sec, vas-y, encore. Ouais, bon. Bien joué. Ah. C'est bon. Ah, ben... Putain, les gars, ça commence bien. Hein. C'est bon signe, ça. Il y a quand même un gros truc, mais en vrai, on arrivera toujours à se décoincer. Ouais, bah, au pire, on plonge. Hein. Ouais. Viens là. Drôle de façon de les promener. Ouais, c'est qu'on va les faire stériliser, il y en a plein là-bas. Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est, Rasta? Oh, une caisse. Ça c'est bon, ça. S'il y a une caisse, il peut y avoir des armes. Oh, j'ai chopé un truc au milieu. Regarde les bulles. Et c'est gros, hein. Gros comme ça en plein milieu, c'est sûrement tombé d'une péniche. Ouf. Ouf. Ouh, y'a du poids. What the fuck? Oh putain, c'est un moteur. C'est quoi? Tu filmes? Ouais. Là, y'a un... C'est un morceau de peau d'échappement, ça. C'est deux choses différentes, on dirait. Ouais. Ah, y'a plein de trucs, là. Y'a plein de trucs. Y'a plein de trucs. Tout le long. Ouais, ça, c'est du pot d'échappement. Ouais. Et franchement, l'autre partie... Y'a du bois. Et l'autre partie, bois, c'est vraiment ancien. Un bout de bateau. Ouais. Ouais, si quelqu'un sait dans les commentaires, dites-le nous. J'ai un truc. Un cadre, je crois. Cadre de moto, ça. Ou de scooter. Classique des spots de criminels, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Cadre découpé. Numéro de série, donc il balance à l'eau. Ah, je suis bloqué. Okay. Ouais, presque au milieu. Besoin d'aide? Ça bouge que dalle. J'y vais ou on essaie de pêcher mon aimant? Non, on va essayer de pêcher plutôt. Ouais. Je crois qu'il y a rien. Ah, faut qu'on décoince l'autre là. Oh, il y a un truc quand même. Chargeur. Alors attends, est-ce que c'est un vrai? Ouais. Ouais, c'est un vrai. Bah, il serait pas troué s'il était. Il est vide? Oh, il y a des trucs sympas là. Faudrait prendre un bâton. Non, il a l'air vide. Faire dans les trous ce que tu vois. Ouais, il a l'air vide. On voit le ressort. Peut-être 9 mm, hein. Un assez bon. Petit calibre. C'est bon signe. Hein. On va essayer c'est de trouver bon la signe, suite. Plus qu'à trouver l'arme. Ouais. Bon, mais on continue. Bon, déjà, faut débloquer le Barbarian. Donc, on va essayer de le choper avec un autre aimant ou plonger. Il y a un truc. Ah. Un cadre. Ouais, c'est un scooter alors. Il y en a sûrement d'autres. Bah, je crois que t'as réussi à bouger le beast. Je sais pas. Oui, si, on se bouge là. Les gars, une bêche. Ah, pas mal. Ah, le manche a cassé, ouais. Est-ce que c'est fabrication du canal? Non. Non, je pense pas. Non, oui. Le bois paraît trop récent. Alors, attends. On est les deux dessus, là. Hein. On est au même endroit. Ouais, je pense qu'on est sur le même, là. Ouais. Bon, ouais. Vas-y, je m'envoie lui, hein. Bon, bah voilà, ça fait plus d'une demi-heure que le Barbarian est bloqué. Le beast, il s'est bloqué trois fois, là, encore bloqué. Donc, cette fois, on plonge. C'était dégueulasse. C'est le canal du Midi. Mais on n'a pas le choix d'écouter. Ouais, pas de treuil parce que dans tous les cas, cette corde est trop élastique aussi. Non, c'est mort. Elle est bonne ou pas? Elle est bonne, ouais. Il y a un bateau, Où ça? Ah non. Oh, tu m'as pas fait peur, je regarde. Alors attends, je vais peut-être aller en face. Si ça vient pas. Si ça vient. Tu l'as? Il y a un truc, hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose au bout? Ouais. Pourquoi c'était coincé, putain? Je te laisse le ramener. Vas-y.
Alors les gars, qu'est-ce qui nous a décoincé? Oh, ça se bloque en plus. Mais il y a d'autres choses. On s'est rebloqué. Il y a d'autres choses. Non, c'est la forme du truc qui fait qu'il se bloque. Bah oui, je t'ai dit, c'est la forme de fusil. Waouh, le cadre encore. Ouais, c'est peut-être un cadre. Tu l'as là? Ouais. Gros, j'ai un truc là. Ah. Vas-y. Couteau? Tourne. Un petit tournevis, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Intéressant. Bah, du coup, on vient de se décaler sous ce pont. Donc, ça promet avec le chargeur, ouais, et la caisse là-bas. J'imagine pas ce qu'il va y avoir sous le pont. C'est clair, c'est bon signe. On espère trouver au moins une arme. Hein, ça fera la, ouais, journée. Et puis sinon. Et ici, il n'y a pas de morceau de ferraille qui traîne. Donc, ça a peut-être pas été fait. Ouais, peut-être qu'ils sont arrêtés là-bas. La difficulté ici, c'est que les bords sont en fer. Donc, ouais, on va essayer de pas trop faire de bêtises. Et espérons qu'il y ait moins de rochers aussi. Aussi. J'en ai marre de me baigner dans ce canal. Regardez-moi ces bulles de qualité. On dirait un jacuzzi dans le canal. Les gars, les gars. Ouais. Je l'ai perdu. Non. Normal, regarde mon aimant. Pas sur le bord. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'as le petit aimant. Petit. Bah, les gars, on teste pour vous les petits aimants. Donc, est-ce que ça fait le taf quand même? Alors, ça fait le taf. Ah, il y a un gros truc, ça bulle. Il y a un truc là. Il est là à bord. Là, là. Sors-le. Fais attention au bord. C'est lourd. Oh purée. C'est un cadre. Antoine. Non, c'est un scooter. Cadre de scooter. En très bon état. Il est récent, hein. Oh, il est brillant encore. Il est en très très bon état. Ah ouais. C'est la batterie ça? Ouais. Ouais, hein. Ouais. Première fois on fait une batterie. Putain, il est encore bien. Oh, il est même, super récent, les gars. Même les feux là, ils sont, ouais, bien. Ouais, il n'y a est... pas un pet de vase dessus. Il est de cet été, lui. Ouais. Incroyable. Ouais. Regarde, il y a tout qui tourne encore. Il est tout neuf. Il est long. Tout neuf. Les cadres de scooter sont une découverte assez fréquente en pêche allemand et on a décidé de s'y intéresser de plus près. Vol de scooter, démantèlement et revente en pièces détachées, pêcheur de trésors de la Villardière a décidé de mener l'enquête. En France, en moyenne, un deux-roues est volé toutes les 10 minutes. Les plus puissants et les plus chers sont souvent maquillés, revendus tels quels ou utilisés pour commettre des braquages. Mais la grande majorité des scooters volés connaît un destin tout autre. En effet, les scooters sont démontés et les pièces détachées sans numéro de série sont revendues. Ils sont aussi parfois remontés avec de nouveaux cadres qui s'achètent sur le marché de l'occasion ou neuf. Les cadres de scooters coûtent environ 150 euros. Les feux, les moteurs, les batteries, les roues, tout un ensemble de pièces peuvent être revendues facilement. Et cela explique aussi pourquoi environ 80% des scooters volés ne sont jamais retrouvés. A bientôt pour une nouvelle enquête de pêcheurs de trésors de la Villardière. Attention au bord, hein, attention au bord. Alors qu'est-ce que tu nous as fait là, hein? Ah, je connais pas bien le métier moi, hein. On te l'a répété combien de fois de faire attention au bord? Pour la peine, tu vas devoir plonger. Ça va être le baptême de l'eau dans le canal du Midi. Donc là, j'ai quelque chose. Eh, c'est peut-être un autre scooter, les gars. Regarde. Ils ont fait un scooter par côté. Ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être une manière d'inaugurer un pont. Ouais. Ça bulle, hein. Moto mais... maintenant. À 3. On fait quand même attention au bord. Hein. Attention au dos aussi. Ouais, vas-y. Oh. Attends. Oh, attends. Je... Bon, ben, je crois que les gars, c'est une moto ou un scooter. Plus lourd que l'autre, donc il est sûrement entier. Ouais. Je pense que nous, on va finir notre après-midi là-dessus. Ouais. On va donner le maximum et j'espère que c'est un beau truc. Ça promet, il y a de l'essence. C'est ça. Merci. 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 Mais je pense qu'elle nous connaît. Hein. Hein, je crois qu'ils nous connaissent. Hein. Si. T'es viré. Allez Baptiste, t'arrêtes d'aboyer. Je vais dire bonjour. Ça va être, ouais, beaucoup, mais... Ah, il y a un nœud qui bloque là. Ouais, on est accroché au truc. Il y a un nœud de la corde qui bloque. La corde qui est accrochée au truc. Vas-y, go. Ouf. Vas-y. Ouf. Donc là, j'ai fait le nœud pour le treuil. Normalement, ça devrait faire l'affaire. C'est bon. Ah, Rasta. Vas-y. Ça va, Rasta? Il adore le treuil. C'est un chien de treilleur. Le treilleur. Ça bulle. Ça bulle? De l'essence. Ouais. On est pas très loin. Hein. Beaucoup d'essence. On est bientôt au bout. Alors. Toujours rien. On va essayer de. Je peux rien voir. Mais ouais. Normalement. Mais ça l'a bien désenvasé sûrement.
On essaie de tirer, les gars. Allez, on. Il y a une chambre à air avec un vélo. Non. Si. Mais il y a sûrement d'autres choses. Il y a sûrement d'autres choses. Attends, il y a peut-être pas que le vélo. Ah. Ok. C'est bon, là encore. Voilà. Ouais, il y avait quand même beaucoup d'essence pour un vélo. Ouais, il est d'époque ce vélo, hein. Ouais, il... C'est un ancien. Attends. Ok. Ouh. Comme quoi, ça réserve toujours des surprises même quand on croit qu'on sait ce qu'il y a au fond. Ah ouais, clairement. Et ce serait pas en parfait état cette chaise. Une démo. Alors déjà, faut réussir à la monter. Bah c'est bon. Ah oui, d'accord, c'est comme ça. Oui. Ah ouais, petite chaise. Avec les petits accoudoirs et tout. Elle a quoi, tu vois? Un problème de dossier. Ouais. De toute façon, là, il était tellement pris dans la vase que sans le treuil, jamais on ne bougeait. Oh putain. Oh non. Here we go again. Il a recommencé, il a réitéré. J'ai pêché quelque chose. Si c'est aimanté, abonnez-vous parce que là, choper quelque chose d'aimanté avec un aimant, c'est quand même pas mal. Oh mais tu sais que c'est lourd. Je fais le mal. C'est pas aimanté. Vous abonnez pas. Oh mais vous abonnez pas. What the fuck. Mais j'étais persuadé. Bon bah ok. Bah vous abonnez pas. Vas-y, une belle un bateau. Hein. Mais vous désabonnez pas non plus hein parce que. Non ouais, vous désabonnez pas non plus quand même, Lyric. Ouais, on va le sortir. Une barre de fer. La barre de fer. Ouais, joli. C'est ça en moins dans l'eau. Bon bah voilà, vidéo de pêche à l'aimant qui touche à sa fin, donc de grosses trouvailles aujourd'hui, on a bien forcé, utilisé le treuil et tout. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. Allez, dernier, c'est bon. Pas...